Donc salut tout le monde, c'est Shirelle. On se retrouve donc dans le dernier mode de jeu de State of Decay 2 Juggernaut édition remasterisée, sorti en mars 2020. On va parler du mode Daybreak. Comme vous avez pu le voir dans le trailer que je vous ai montré, c'est un mode de défense de siège zombie que vous jouerez avec d'autres joueurs en ligne, hein. Vous pouvez être maximum 3 joueurs. Vous incarnez un soldat random de la Légion des Red Talons pour défendre un technicien, celui que vous avez vu avec le petit chapeau rouge qui tape sur son ordinateur, contre les hordes de zombies qui vont arriver petit à petit. Votre objectif est bien sûr de garder le technicien en vie et de survivre jusqu'au lever du jour. Il y aura 7 vagues de zombies d'une durée de 5 minutes. Vous avez pu le voir, seuls les murs séparent le technicien et vous, et les autres joueurs, et les deux autres joueurs d'hordes de zombies. Des murs divisés en plusieurs panneaux qui vont être endommagés face à chaque horde. Il faudra les réparer grâce à des kits de réparation donnés dès le début du jeu aux joueurs. Et chaque joueur peut réparer les murs tant qu'il y a des kits de disponibles. À défaut, vous allez avoir, comme vous regardez, si vous re-regardez le trailer, je vais le remettre d'ailleurs, comme ça je vais faire des pauses sur image. Voilà, donc notre technicien c'est celui-ci. Je vais le mettre en plein écran, ça sera peut-être mieux. Voilà notre technicien, donc c'est lui qu'il va falloir garder en vie jusqu'au bout. Voilà, et comme vous le voyez, il y a des murs là tout le long et les zombies vont arriver par ici, par là, par à gauche, à droite, au milieu, enfin partout, d'en face, pour essayer de venir tuer votre technicien. Donc vous pouvez être jusqu'à 3 joueurs, soit avec vos amis comme je vous le disais, soit vous lancez une partie dans le mode Daybreak, hein, je vais vous montrer mais je ne vais pas lancer une partie sinon ça ne passera pas. Vous voyez ici, vous avez une espèce de petit panneau orange, là, rouge, il y a jaune très clair aussi. Ça, c'est la durabilité, l'état de durabilité de votre mur. C'est-à-dire que celui-là, il est prêt à casser. Donc, à vous de vous dispatcher les rôles quand vous jouez ensemble ou avec les autres joueurs qui vont jouer avec vous, même si vous ne les connaissez pas, puisque vous ne pouvez pas dans ce jeu-là échanger en voice, à part si vous êtes sur Discord ensemble, etc. Ça, c'est pas un problème. Mais mettez une stratégie en place. Donc, il faudra vite réparer pour pas que les murs lâchent, sinon les zombies vont rentrer et vont s'attaquer aux techniciens et ce sera game over de votre partie. On va continuer. Voilà, vous voyez là, ils ont trop attendu, le mur a cédé. Donc, vous voyez, les zombies, leur but, c'est pas vous tuer à vous, hein, c'est de tuer le technicien. Voilà, donc plus vous allez avancer, plus effectivement le nombre de zombies est important. Donc je vous montre un jeu, évidemment plus vous allez attendre et que le mur casse, les zombies, eux, c'est pas de vous manger à vous qui les intéresse. Bon, bien que, hein, ils vont bien vous croquer au passage, vous inquiétez pas, ils vont pas vous faire de cadeaux, puisque leur but, c'est d'aller tuer le technicien que vous protégez. Donc, pour pouvoir jouer à cela, et qu'est-ce que ça vous apporte, c'est ce qui vous intéresse, ben, tout simplement, qu'est-ce que ça vous apporte? C'est que vous allez débloquer. En jouant à Daybreak, repousser la horde, vous allez débloquer à la fin, selon si vous avez tenu 3 hordes, 4 hordes, si vous avez tenu jusqu'au bout ou pas, selon ben, les joueurs avec qui vous aurez été, si c'est des joueurs carrés ou si c'est des joueurs qui ne sont pas carrés, si c'est des joueurs qui font n'importe quoi, vous allez avoir des récompenses dites de prestige. Alors ça peut être des armes, ça peut être d'autres choses que vous retrouverez après dans votre mode de jeu campagne et Heartland en pouvant les acheter, c'est-à-dire c'est des objets que vous débloquez via des breaks qui ne sont pas présents dans campagne et dans Heartland, qui sont des objets puissants, que ce soit des armes comme je vous disais, que vous ne trouvez pas, sauf si vous faites des breaks, ce mode-là. Donc, essayez dans votre jeu, si vous voulez vraiment avancer, de faire en sorte de temps en temps, je dis bien de temps en temps, tout simplement ben, de jouer à des breaks. Ça prend 5-10 minutes, peut-être un petit peu plus. Et puis, vous en faites 2-3 parties, vous allez vous débloquer des armes. Et quand vous repasserez sur votre partie normale de campagne ou de Heartland, quand vous aurez dans vos missions qu'il y a un vendeur
Prestige sur votre map, allez le voir parce que vous aurez la possibilité d'acheter via les points d'influence ou en troquant, en lui échangeant des choses, de pouvoir avoir les armes ou autres que vous aurez débloquées via des breaks, repousser la horde. Voilà, tout simplement pourquoi c'est important. Donc en gros, vous avez deux possibilités dans des breaks, repousser la horde. C'est soit de trouver une partie qu'un joueur a lancée et il attend que d'autres joueurs le rejoignent, soit vous-même de lancer un débreak et vous lancez la partie, c'est-à-dire que ce sera vous ou l'autre, soit ça va être des joueurs que vous ne connaissez pas qui vont vous rejoindre, qui sont en ligne pour jouer, soit c'est soit vous faites vite et vous invitez vos amis, parce que ça va très 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 vite, hein. Vous lancez un débreak, il y a vite des joueurs qui vont tomber avec vous. Si vous êtes avec des amis et qui vous dit ben non, j'ai pas pu te rejoindre, c'est complet, ben vous coupez la partie, vous la relancez et vous lancez l'invitation très rapidement à vos amis pour qu'ils soient prioritaires. Mais il faut aller très très vite. Et si vous cherchez une partie parce que vous êtes tout seul, ben vous cherchez d'en trouver une partie. Voilà, tout simplement. Donc c'est pas un mode à négliger du tout, hein, faut pas le négliger, parce que sinon tout ce que vous pouvez acquérir en tant que objet de prestige dans ce mode là, c'est pas n'importe quoi, c'est quand même des objets qui sont très puissants pour votre gameplay dans campagne et dans Earthland. Donc ça serait dommage que vous ne le fassiez pas. Donc je ne peux pas vous faire toute une gameplay via cette vidéo, mais en suivant, en vidéo bonus, avant de vous faire la vidéo finale de conclusion, je vais faire une partie et je vous la mettrai en suivant, comme ça vous verrez le gameplay. Je lancerai trouver une partie, c'est-à-dire me joindre à la partie de quelqu'un. Et si je vois que ça met trop de temps, je lancerai moi-même une partie en étant l'hôte. Mais on fait ça dans la vidéo prochaine. J'espère en tout cas que je vous l'aurai bien expliqué comme ça en images et en paroles. Donc cette vidéo-là, la prochaine, n'était pas prévue que je vous la fasse. Mais bon, je l'avais déjà tournée, je l'avais déjà fait. Mais ça ne passe pas, c'est trop long. Donc il ne veut pas. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais lancer une partie de Daybreak et je vous mettrai la vidéo en suivant. Voilà. Je vous fais en tout cas plein bibi, plein zouzou. Comme d'habitude, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les mettre sous la vidéo. N'hésitez pas à mettre vos petits pouces en haut, vos petits pouces en bas, ce que vous en pensez. Voilà. Faites attention aussi. Vous risquez de tomber aussi sur des joueurs qui ne vont rien faire. Donc, ne vous embêtez pas. Quittez la partie si c'est le cas. Ne perdez pas votre temps. Et voilà, donc plein de bibi, plein de zouzou. Prochaine vidéo, je vous fais une démonstration de Daybreak en espérant tomber avec bon joueur. Et à très vite pour cette prochaine vidéo ou un prochain live. Bye bye.